Et salut tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo, présentation de la map hongroise. Donc la map hongroise, donc on va tout de suite démarrer. La map hongroise, qu'est-ce que c'est? La map hongroise, c'est tout simplement la map, ma map. Voilà la map que j'ai sortie depuis quelques jours. C'est la version 1 tout simplement. Version très bien faite, comme vous pouvez le voir. Voilà. La map ne bug pas. En tout cas, moi, elle est extrêmement fluide, comme vous pouvez le voir. Et je n'ai aucun lag dessus. Voilà. Donc, je vais présenter la map. Pour commencer la map, donc c'est une map reprise des paysages hongrois, du pays de Hongrie, avec une énorme ferme céréalière avec des grands champs. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, les modes qui sont inclus. Donc, il y a le, pour commencer, le Soil Mode. Voilà, le Soil Mode, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Ensuite, il y a aussi le multifruit. Le problème du multifruit, c'est que j'ai eu un problème avec. Le problème que j'ai eu avec le multifruit, en fait, c'est que ça n'a pas marché. Et j'ai pas eu le temps de le modifier, de l'améliorer, de le terminer, tout simplement. J'ai mis la luzerne, pour tout vous dire. Mais la luzerne bug, pour commencer. Ou alors, je ne sais pas du tout me servir du multifruit. Et j'ai pas eu le temps aussi de mettre les sunflowers, comment ça s'appelle? Le tournesol, voilà. Mais bon, voilà. Hormis ça, la map est complètement fonctionnelle avec tous les autres fruits. Comme vous pouvez voir, donc fruits, donc les sugarbets, les potatoes, le colza et ainsi que le maïs. Et là, on a tout simplement l'orge et le blé. Voilà. Voilà, donc, et puis l'orge et le blé, on le charge directement là, contrairement aux autres fruits qu'il faut directement prendre avec soit un convoyeur, soit un godet, comme vous le savez. Bon, peu importe, en tout cas, voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, ici, on a le lisier. Bon, voilà, le lisier. Il n'y a que des vaches dans cette version. Il y aura peut-être d'autres animaux un peu plus tard. Voilà, tout simplement. Donc tu vois là on a les vaches, bien sûr le water mode inclus. Le problème c'est que vous allez peut-être avoir des bugs de fumier. Si vous savez modder, vous le replacez, hein. Il n'y en a pas pour 150 000 ans. Mais voilà, c'est juste du travail de précision que je n'ai pas eu le temps de faire en amont. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a tout simplement le trigger pour pouvoir vendre le lait. J'ai inclus un mode à ce pack qui est donc le Stop Sol Milk. Traduction. Alors ça c'est oui, ça c'est mes maps, ça c'est mes beaux drapeaux. Le Stop Milk Sol, voilà. Donc c'est tout simplement en fait un panneau que l'on place n'importe où sur la map. Donc je peux le placer à l'extrémité si je veux. Et le lait va arrêter de se vendre. Tout simplement. Mode fait par Maru. Donc voilà, maintenant le lait va arrêter de se vendre automatiquement. Maintenant on va aller le vendre manuellement. Alors j'ai pas inclus de citerne, vous allez prendre une citerne comme vous voulez sur les sites de mode. En tout cas, on le vend là, enfin on le prend là plutôt. On va le vendre un peu plus loin. Donc pour commencer, je vais acheter une voiture pour qu'on aille un peu plus vite, vu que j'ai enlevé. Ou on va prendre la Ferrari, tiens. Non, on va prendre une voiture. 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 Voiture. Voilà, c'est bon, j'ai assez d'argent. On va prendre en vert. Et je vais aussi enlever un peu le son du jeu. Voilà, 20. Bon, voilà. J'aurais pas grand-chose à dire sur la ferme. Il y a des silos de stockage pour le fumier. Il y en a 4 ou 3, je sais plus. 3, je crois. Des hangars pour la paille. Donc, c'est tout simplement le triangle hein, que j'ai voulu reskiner, mais je n'ai pas eu le temps. Donc je voulais les reskiner en vert comme les autres là-bas. Il y a donc le fumier. Il y a un étang, un grand étang. Voilà, donc un énorme étang. Un peu mal fait, mais bon, c'est bien pour voilà. Bon, c'est potable, hein. Il pourrait être un peu plus amélioré, mais bon, voilà. Ici, donc j'ai pas, donc bon, je peux pas utiliser le player caméra. Mais c'est tout simplement, là j'ai pas rectifié, j'en ai pas mis un seul gros, il y a encore les deux petits. Mais au moins on peut mettre plus. C'est toujours l'avantage. Voilà.
Ensuite, bon, ici vous avez les bunkers à fumier. On va se TP dans le voilà notre beau notre belle voiture. Donc ici voilà, juste devant là en fait on peut vendre les véhicules. Et puis sinon ils spawnent ici, voilà, tout simplement. Très joli concessionnaire classe, prix de la map Vosges V3, il me semble. Voilà, donc tout simplement, voilà. Des drapeaux que j'ai fait moi-même. Avec mes petites mémines. J'ai pensé à vous. En tout simplement modifiant l'entrée du bugaz. Et en mettant au moins ça comme ça. Pour que vous puissiez plus facilement entrer. Puisque pendant qu'on a fait le record du monde, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal. Voilà. Bon, en tout cas, biogaz très simple. Voilà, on a un biogaz ici. Une bouche ici. On prend le lisier ici. Voilà. Et puis on ressort par ici. Tout simplement. Il n'y a que deux bunkers, mais c'est amplement suffisant. Voilà, simplement suffisant. Ensuite, bon, voilà. Je reste à dire. La laiterie, on l'a pas vue, mais je vais retourner après. Je vais retourner juste après. On va juste voir le point de vente. Point de vente. Le seul truc que j'ai pas inclus, que j'ai pensé juste après, c'est tout simplement d'inclure un point de vente pour. Comment ça s'appelle? Enfin, la paille. Pour vendre la paille. Parce que on peut même pas le transformer en fumier, on peut rien faire. Enfin, donc, soit vous l'utilisez pour pailler, soit vous l'utilisez pour l'ajouter. Bon, voilà, c'est vous qui voyez. En tout cas, on a les cigar bait et les potatoes. Donc, vous pouvez vendre ici. Puis, sinon, le reste du grain se vend là-bas. Voilà, bon, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Puis ensuite, bon, on ressort par ici. Alors, normalement, on ressort pas trop mal. Voilà, il se peut qu'on fasse peut-être quelques manœuvres. Bon, mais en général, normalement, on sort pas trop mal. Voilà, on va aller à la ferme. Voilà. Et je voulais vous montrer le. Non, on va pas aller à la ferme, on va aller à la ville. Voilà. Et donc, tout simplement, voilà, on vend le lait juste ici. Pour ce qui voulait dire, juste dans la carte ici. Voilà. Voilà. Tout simplement, voilà. Ensuite, non, j'ai rien d'autre à vous dire. Dans la ville, on passe pas mal avec les gros véhicules. Donc, ça passe. Ça passe, ça passe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est à peu près tout. Bon, sinon, vous connaissez à peu près la map. Si un seul truc qui j'ai modifié, c'est, vous voyez, le grand champ là. À la base, qui était le champ 40. Là, je l'ai modifié. J'ai coupé en deux. Le champ 40. Non, c'était sur FS 13, ça. Le champ. Bon, en tout cas, celui-là. Je l'ai divisé en deux. Attendez une seconde, je vais vous juste montrer ça. J'ai divisé en deux, j'ai divisé en deux. En voilà. Alors qu'on a un petit bug sur le PDA, c'est pas très grave. Ouais, les chiffres qui sont un peu plus haut. Bon, en tout cas, on voit très bien. On voit très bien s'il y a un champ de chair. On le voit très bien, hein, c'est pas ça le problème, mais. Effectivement, il y a un petit bug là sur le PDA. Une image qui est un peu décalée. Il aurait fallu monter l'image. Bon, tant pis. C'est pas très grave. On a déjà eu plus de la map, donc je ne peux rien faire. Voilà. Donc, ensuite, on a ça pour acheter. On a ça pour acheter. On peut acheter tous les. On peut acheter les champs sur les petits cadenas. Voilà. Tout simplement. Sinon, des merveilleux paysages. Voilà. Voilà. Pour une prochaine version, s'il y en a une, je ne suis pas persuadé. Peut-être une version qui corrigera les bugs qu'il y a actuellement, mais pas où j'ajouterai des choses. Qui corrigera des bugs, notamment des bugs que j'ai sur bah, le PDA, comme vous venez de voir, et d'autres petits bugs. Mais sinon, je pense pas la développer cette map et plutôt en créer une autre sur un projet, enfin sur un paysage que je ne connais pas encore. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Le lien de la map est bien sûr en téléchargement. Le lien de téléchargement est en description de la vidéo. Vous avez tous les droits. Le seul droit que vous n'avez pas, donc bien sûr le droit de modifier la map, le droit de faire des cartes suivies dessus,
Seul droit que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de la modifier et de la mettre en DL. Voilà. Tout simplement. Si vous faites une carrière suivie et que vous mettez la map en DL, vous prenez le lien qui est en description de la vidéo. Donc qui est le lien officiel, le lien voilà, le lien du serveur où je l'ai upload. Tout simplement. Voilà. Sinon, si vous voulez la modifier et partager avec vos amis, n'hésitez pas. Mais la mettre en lien en lien. Ouais, un petit passage gay. Sur serveur, enfin la mettre en DL quoi. C'est mort. Voilà, c'est mort. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Voilà, tout simplement. Mais si vous voulez la modifier, puis moi au contraire, si vous modifiez-la, puis montrez-moi les photos. Envoyez-moi les photos sur mon compte abo Skype que vous retrouvez en description de la vidéo. Donc qui est Gwenaël Modding tout simplement. Mais montrez-moi ça, si vous voulez modifier, montrez-moi un peu les photos de ce que vous avez modifié pour voir un peu, pour me donner des idées pour plus tard ou même pour voir votre travail. Voilà, tout simplement. Parce que moi je suis pas comme Frabel qui dit non, faut pas la modifier, il n'y a pas le droit. Bon, modifiez-la, c'est vraiment pas le souci. Le seul truc, c'est que je demande pas, de ne pas mettre ça en DL. Parce que voilà, ça se fait pas. Et si toutefois elle est mise en DL, alors. Excusez-moi, voilà. Et si toutefois elle est mise en DL, alors je ne pourrais pas vous envoyer les flics chez vous. Enfin, faut pas non plus abuser, hein, il y a des limites. Il y en a comment dire? Il y en a qui ont voulu porter plainte, notamment. Bah, pas chez nous, mais j'ai entendu cru entendre ça de l'Allemagne. Voilà, des gros modeurs. Bon, enfin des gros modeurs. Des petits modeurs, justement, au contraire. Mais voilà, des modes qu'on y a. Bon, peu importe, je vous passe les détails. En tout cas, voilà, faut pas non plus abuser. Mais pour tout vous dire. Pour tout vous dire, voilà, enfin. Vous avez le droit, mais. Juste pas la mettre en DL, tout simplement. En attendant, portez-vous bien. Mon Skype abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner. Téléchargez la map, n'hésitez pas aussi. D'ailleurs, tant qu'à faire. Et en attendant, portez-vous bien. Et à plus tout le monde.